Thank you.
Thank you.
prochaine pièce au programme, j'aimerais commencer par vous présenter quelqu'un qui est un invité très spécial ici au Vivier. Depuis 4 mois, on accueille Alla Zagaykevich, une compositrice de l'Ukraine. À travers cette résidence, elle passe du temps avec des ensembles ici. Elle a composé 2 nouvelles œuvres, entre autres une qui sera jouée le 8 février prochain et un deuxième pour le nouvel ensemble moderne qui sera joué le 5 mai. À travers cette résidence, on a eu la chance de découvrir Alla, mais aussi de découvrir un peu les étudiants à Alla, en fait, via plusieurs rencontres que le VIU a eues avec ses élèves. À travers ces rencontres est né un désir, je crois, du comité organisationnel de présenter, en fait, une œuvre ukrainienne au concert ce soir. Donc, j'inviterai Alla Zagaykevich pour venir vous dire quelques mots à propos de la prochaine pièce. Доброго вечора. Ми з України. Бонсуар. Салют, Україн. Maintenant, à Kiev, à peu près 3 heures, nuit. Nuit qui, malheureusement, passe presque 12 mois. Et la nuit très sombre, parce que je ne sais pas qu'est-ce que Alex Черный... Qu'est-ce qu'il fait maintenant, et le petit enfant? Peut-être qu'il regarde quand est-ce qu'on peut brancher l'électricité, parce que très souvent, il n'y a pas d'électricité dans les quartiers. Et c'est vraiment très, très sombre. Voilà, c'est un petit peu ça, ce contexte, pourquoi Alex a nommé sa pièce Umbra. Parce que Umbra, c'est la couleur qui fait les peintures. Connaît peut-être que Umbra, c'est une notion de coloriste, les plus sombres parties des taches, des couleurs très très sombres, obscurité totale à peu près. Mais il a écrit cette pièce en été à Kiev, et il a pensé que cette Umbra, c'est une quelque chose comme processus quand dans les périodes vraiment d'obscurité, on garde quelque chose comme palais mental, comme palais de notre mémoire les plus profondes, les plus claires, les plus espoirs, les plus actives, qui donne les forces pour nous, qui donne les forces d'être vivants, optimistes, faire les arts, faire musique, découvrir nouveaux espaces et être alors dans l'état absolument vivant. Et je pense cette salut d'Ukraine de Alex, cette salut de sombre, Umbra, quand même très optimiste, très active et pleine de l'espoir et l'amour. Merci. Thank you.
Thank you.
It has been days since thank you.
we were supposed to.